Bonjour et bienvenue dans notre église. Alors c'est l'église Saint-Martin de Séligny. Comme vous voyez, cette église est totalement peinte et donc nous avons un véritable trésor. Ce sont des peintures murales du 15e et 16e siècle et nous avons pu trouver une date qui se trouve au niveau du Christ docteur. Alors, le Christ docteur, il est en dessous du Christ juge, du jugement dernier. Et au niveau de la tête du Christ docteur, nous avons 1540 en chiffres romains. Donc, c'est comme ça que nous avons pu dater nos peintures. Et évidemment que toutes les peintures n'ont pas été faites en 1540. Mais c'est comme ça qu'on a pu, déjà trouvé la première date. Et ensuite, comme vous voyez, l'église, c'est une église aussi fortifiée, il ne faut pas que j'oublie, donc fortifiée par son clocher. Et donc le clocher, c'était une tour défensive, et dans le clocher, nous avons relevé une date, 1429. Donc, c'est quand même antérieur à 1540. Et donc, ce clocher a d'abord été construit et ensuite l'église est venue par la suite, dans les années 1400. Nous avons, à cette époque, c'était donc le Moyen-Âge, et Séligny était un village important, un grand archiprêtré qui couvrait presque tout le sud messin. Et nous avions aussi des religieuses de l'abbaye Sainte-Marie de Saint-Pierre-aux-Nonains qui possédaient une maison forte et ils possédaient également presque toutes les terres de Séligny. Donc elles cultivaient, elles avaient des bergeries et donc elles nourrissaient, si vous voulez, le couvent des religieuses de l'abbaye Sainte-Marie qui se trouvait à Saint-Pierre-aux-Nonains à Metz. Donc, c'est grâce à ces religieuses, elles ont pu guider les peintres, parce que vous voyez toutes ces peintures, on dit les peintres, ce sont des peintres inconnus. On n'a jamais su qui ils étaient. On a beaucoup dit qu'ils pouvaient être italiens, parce qu'il y a énormément de détails qui nous font penser au sud, et notamment à l'Italie. Bon, après, il ne faut pas oublier que c'était la Renaissance, que tout venait d'Italie. Et donc, ces peintres étaient inconnus. Alors, nous avons une particularité aussi, en plus, à Séligny, c'est que nous trouvons, en bas des tableaux, des petits personnages qui sont agenouillés. Donc ici, ici également, et également ici. Donc ces personnages ont abrité les peintres, ils les ont nourris, logés, et donc c'est les ancêtres de Séligny, tout simplement, et nous les avons appelés les donateurs. Alors, ces donateurs, on peut remarquer qu'ils sont, ceux-là par exemple, ils sont assez grands, richement vêtus, tandis que ceux-ci, ils sont très petits et pauvrement vêtus. Donc là, on peut déjà voir comment était la vie à cette époque. Alors, ces peintures, nous les avons découvertes le 8 mai 1845. C'est le prêtre de l'époque, l'abbé Schnabel, il voulait repeindre l'église et donc il y avait un badigeon. Et en enlevant ce badigeon, il découvre les peintures. Donc, il a eu la bonne idée de faire venir la Société d'Histoire d'Archéologie de Metz et ce sont eux qui ont décidé de conserver les peintures. Ils ont aussi nommé le peintre messin Charles-André Malardeau. Et donc c'est Malardeau qui a été chargé donc de cette restauration, enlever le badigeon et restaurer. Alors évidemment, ça a duré 20 ans. En mars 1865, tout était terminé. Et donc ces peintures, pendant des siècles, étaient recouvertes de ce badigeon. C'est ce qui les a surtout protégées. Malardeau, il a mis 20 ans, mais forcément, il n'était peut-être pas là tous les jours non plus. Et donc, nous avons deux sortes de peintures, si vous voulez. Les peintures murales, d'une part, et les peintures dans le cœur. Dans le cœur, c'est Malardeau qui a repeint le Christ au jardin de Gethsémani, le Christ en croix. Et donc, ça s'appelle tout simplement les repeints de Malardeau.
Donc, vous voyez que dans cette église, c'était un véritable catéchisme en images. Et donc, à l'époque, eh bien, les gens ne savaient encore pas tous lire ni écrire. Et donc, il suffisait de lever les yeux et puis de craindre Dieu, voilà, tout simplement. Alors, vous allez voir ce grand jugement dernier qui fait 42 mètres carrés avec le Christ juge qui est assis sur la nuée. Et donc, voilà, à sa droite, vous avez la Vierge Marie. À sa gauche, vous avez Saint Jean-Baptiste. Là, le Christ dit « Venez les bénis de mon Père ». Et vous voyez que c'est le ciel, la cité céleste à sa droite. La cité céleste, c'est le ciel où vous avez Saint Pierre qui accueille donc les âmes avec sa clé. Il porte sa clé. Et vous avez les âmes qui marchent le long, qui montent les escaliers, voilà, pour aller au ciel. Ici, à sa gauche, le Christ dit « Allez maudits en enfer ». Donc, regardez cette bouche béante, c'est terrifiant. Vous avez les âmes qui brûlent, vous avez cet homme qui retient la broche, et vous avez ce diable qui amène les âmes dans une hotte et dans une brouette pour les jeter dans le feu. Vous avez ici Satan qui est enchaîné au-dessus. Et donc, vous avez quand même tous les anges, vous voyez, qui emmènent les âmes vers le ciel. Donc, c'est le jugement dernier selon Saint Matthieu. Et donc, vous avez à gauche, donc au milieu, en dessous du Christ juge, vous avez le Christ docteur. Donc, le Christ docteur, vous voyez, et au niveau de sa tête, vous avez 1540 en chiffres romains. Donc, c'est cette date que je vous disais tout à l'heure. Ensuite, ici, vous avez une femme qui sort de son tombeau, on lui arrache la langue. Vous avez également ici Saint-Michel. Saint-Michel qui est chargé de peser les âmes, vous voyez. Et donc, là, vous avez un diable qui est sur la balance et qui appuie dessus pour récupérer l'âme. Donc, c'est le combat de Saint-Michel. À côté de Saint-Michel, vous avez le purgatoire. Et vous voyez que ce purgatoire, il est moins terrifiant que l'enfer. Vous avez les âmes qui lèvent les bras au ciel parce qu'elles espèrent y arriver un jour. Donc, vous voyez, vous avez le soleil, la lune, les anges qui sonnent la trompette et les étoiles. Voilà. Donc, ce grand tableau illustre bien la fin du monde et le jugement dernier. À droite, vous avez Saint Christophe. Donc, ce grand Saint Christophe que vous voyez ici, c'est un géant. Et son métier, ben, il était passeur. Donc, il portait les gens pour traverser les rivières. Voilà. Donc, un jour, il a porté un enfant. La légende nous dit que cet enfant est devenu très lourd et que, tout simplement, Saint Christophe lui demande pourquoi il est lourd. Et donc, l'enfant lui dit « Ne vois-tu pas que je suis le Christ et que je porte le poids du monde ?» Voilà. Ici, vous avez l'église qui est bâtie sur le roc. C'est certain qu'elle ne chancelle pas, si on veut. Mais comme elle est là, on a peur qu'elle tombe. Et donc, vous voyez, c'est tout simplement la traversée de Saint-Christophe avec toutes les vicissitudes que l'on peut rencontrer dans une vie. Voilà. Vous avez les gros poissons qui mangent les petits, vous avez l'anguille qui se faufile, vous avez la sirène qui se regarde dans la glace, le poisson roi et les autres poissons qui mangent toujours les petits. Donc, ces poissons ont tous été comparés aux sept péchés capitaux. On en revient au catéchisme. Donc là, vous avez Saint Hubert. Alors, Saint Hubert, il est chasseur. Donc, vous voyez cette belle scène de chasse. Vous voyez les arbres. Ce ne sont pas des arbres de chez nous. Ce sont des pins parasols. Et c'est un des détails qui nous ont fait penser que les peintres pouvaient être italiens. Donc, j'en reviens à Saint-Hubert, comme il est chasseur, la légende nous dit qu'au moment de tirer sur le cerf, une croix lumineuse lui est apparue, lui a demandé de se convertir, de se faire prêtre, de se faire évêque. Saint-Hubert tombe à genoux, et bien entendu, il est devenu prêtre, il est devenu évêque de Liège et de Maastricht. Donc, ici, vous avez un ange, avec une étole, évidemment, c'est l'étole de Saint-Hubert, mais aussi, la légende nous dit que
la forêt, ben, il y avait beaucoup de gibier, et donc les gens mouraient de la rage. Donc la légende dit aussi qu'il suffisait de porter cette étole sur les épaules et on en était guéri. Donc à Cilegny, nous rencontrons les saints guérisseurs, les saints intercesseurs et les 12 apôtres que vous avez ici dans ces grands tableaux. Alors là, vous avez saint Pierre, saint Paul et là-bas saint André. Et les 12 apôtres ont tous une phrase du credo en latin. Voilà. Et donc ces apôtres, ils sont dans ces cadres, mais ils sont au-dessus. Alors on sait aussi que les personnages les plus importants sont toujours plus hauts. Là, vous avez également saint Césaire. Donc saint Césaire, c'est le saint qui a évangélisé la ville d'Arles. Vous voyez, on revient encore une fois dans le sud, avec le sud. Ici, vous avez sainte Agathe. Alors, sainte Agathe, son martyr, on lui arrache les seins. Et donc, vous voyez qu'à une certaine période, il y a eu les confessionnaux. Et donc, le confessionnal nous a caché sainte Agathe. Donc, tout ce qui est caché est protégé. Et lorsque nous avons enlevé les confessionnaux dans les années 1972, on a redécouvert sainte Agathe. Mais on savait qu'elle existait. Parce que Malardo, évidemment, avait donc fait un état de toutes les peintures, un relevé. Voilà. Alors ici, vous avez le Christ qui est soutenu par les apôtres. On l'a appelé la tristesse du Christ. C'est pas le Christ au jardin de Gethsémani, puisque le Christ au jardin de Gethsémani, il est en prière. Et donc ici, on voit qu'il est soutenu. On peut remarquer aussi que le paysage, c'est pas la Palestine, le jardin de Gethsémani, c'est tout simplement nos églises avec nos campagnes, notre prêtre. Alors pourquoi y a-t-il la tristesse du Christ dans nos campagnes? Voilà, ça c'est une question qu'on se pose. Alors, à savoir qu'à l'époque, il y avait aussi la peste, il y avait les guerres, il y avait le protestantisme. En 1540, Luther avait déjà sorti ses thèses sur le protestantisme. Et donc, on peut bien s'imaginer que l'Église était troublée. Là, vous avez saint Philippe apôtre avec une phrase du credo, saint Thomas avec une phrase du credo. Et ici, vous avez saint Antoine du désert. Alors, saint Antoine du désert, c'est un moine antoniste. À l'époque, au Moyen-Âge, la France était remplie de commanderies des antonistes. Les antonistes étaient des moines chirurgiens. Il faut savoir qu'à l'époque, les gens mangeaient que le pain noir, parce que le pain blanc n'existait pas. Et donc, dans le pain noir, vous aviez la maladie de l'ergot du seigle. Dans l'ergot du seigle, vous aviez des hallucinogènes, dont le LSD. Les gens donc s'empoisonnaient tous les jours un petit peu et ils devenaient fous, ils avaient des hallucinations et surtout leur peau était gangrénée. Donc ils en perdaient leurs membres. Et si vous observez bien, vous avez un monsieur ici qui a une jambe de bois. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que les antonistes étaient des moines chirurgiens et que ces moines savaient déjà poser des prothèses. Voilà. Donc cette maladie s'appelait le mal des ardents ou le feu de Saint-Antoine. C'est pour ça qu'il y a des flammes. Alors c'est sûr que tout ce que l'on voit, ça concorde toujours avec une réalité de l'époque. Ici, vous avez Saint-Martin. C'est notre saint patron, il est représenté 3 fois dans l'église. Donc saint Martin qui donne la moitié de son manteau. Alors je vous laisse deviner pourquoi il a donné que la moitié. Vous aurez la réponse quand vous viendrez à l'église. Voilà, ici vous avez saint Fiacre. Saint Fiacre avec son ermitage, hein, c'est un ermite. Et donc la légende de saint Fiacre nous dit que il voulait construire un plus grand ermitage. Or, il a été demandé à son évêque saint Pharon une plus grande surface. Et donc saint Pharon lui a dit, ben, autant de coups de bêche que tu donneras, tu obtiendras ce que tu auras travaillé. Et donc la légende nous raconte que la terre s'est retournée toute seule, les arbres sont tombés et il aurait obtenu l'équivalent de l'île de la Cité.
Donc c'est la légende de Saint Fiacre, mais c'est le patron des jardiniers. Ici, vous avez les quatre évangélistes, donc Saint Marc en lion, Saint Jean en aigle, Saint Luc en taureau et Saint Matthieu en homme. Voilà. Donc c'est les quatre évangélistes ou les quatre vivants de l'Apocalypse. Ici, c'est le transept nord. Donc ici, vous avez Saint Matthieu, apôtre, avec une phrase du credo. En dessous, vous avez Saint Joseph. Saint Joseph qui est très richement habillé. Il porte toujours le rameau fleuri. Et donc, Saint Joseph, il est issu de la lignée des rois David. Ici, vous avez Sainte Marguerite. Sainte Marguerite qui terrasse le dragon. Sainte Barbe avec sa tour, elle a été enfermée par son père parce qu'elle ne voulait pas se marier. Ici vous avez Saint-Martin, Saint-Martin évêque de Tours. Là nous avons un chevalier inconnu, on n'a pas réussi à l'identifier et donc la seule chose qu'on peut dire c'est qu'il n'a pas d'auréole. Alors c'est peut-être pas un saint. À côté vous avez Saint-Clément, donc évêque de Metz. Et puis, en dessous, vous voyez peut-être pas si bien que ça, vous avez Sainte-Anne. Sainte-Anne qui porte la Vierge Marie. Là, c'est un très beau tableau. Et puis, tous ces petits personnages agenouillés, hein, dont on parlait tout à l'heure. En haut, ici, vous avez Saint-Jacques le mineur, avec une phrase du credo. Et puis, ici, vous avez Notre-Dame de Lorette. Notre-Dame de Lorette, qui est assise sur sa maison. Alors la légende nous dit que les anges ont transporté la maison de la Vierge de Nazareth à Loreto en Italie. Et donc voilà, Notre-Dame de Lorette, on revient encore une fois avec les Italiens. Voici l'arbre de Jessé. Donc vous voyez Jessé qui dort sur son lit. Et donc c'est l'ancêtre, c'est le père du roi David. Et ça illustre la prophétie d'Isaïe qui disait que de Jessé sortira un surgeon ou un rejeton. Et vous voyez que tout en haut, vous avez l'Immaculée Conception avec l'enfant Jésus. Et sur les branches, vous avez les 12 rois de la lignée de David. Voilà. Donc Jésus est issu donc de la lignée de David. Alors Jessé, il est magnifique, on peut remarquer son vêtement qui est riche, très richement. Il est très richement habillé, voilà. Et tous ces petits rois qui sont assis là sur les branches, ils sont aussi très richement habillés. C'est vraiment la Renaissance, voilà. Donc Saint Didier qui porte sa tête parce qu'il a été décapité. Saint Augustin. Et ici, vous avez un couple et un deuxième couple. Alors eux, ils ont eu la chance d'avoir leur nom décrit, Didier Lemouche, maître échevin. Et ici, vous avez Étienne Caza ou Étienne Barra. Donc ils sont avec leurs épouses et c'est probablement les nobles ou les maîtres du Sélénie de l'époque. Voilà, maître échevin, c'était quand même un rang assez élevé. Ici, vous avez Saint Jean qui porte le calice. Et ici, vous avez Saint Jacques le Majeur. Saint Jacques de Compostelle avec son bâton, sa besace et sa coquille. Et vous avez également deux phrases du credo. Sur cette voûte, vous voyez, vous avez énormément de feuillage. Et ce feuillage est beaucoup plus doré que vert, tout simplement parce que dans le cœur, tout doit être beaucoup plus riche. Et là, vous avez cette profusion de fleurs, ces magnifiques fleurs de toutes les couleurs. Et sur chaque clé de voûte, vous avez les blasons des seigneurs de Sélénie et des environs. Donc nous sommes également en train de les identifier. Par contre, ici, vous avez Saint-Pierre et Saint-Paul, des repeints de Malardeau, donc 1845-1865. Également, en dessous, vous avez le Christ au jardin de Gethsémani, donc le Christ en prière, les apôtres qui dorment et l'ange qui vient soutenir le Christ. Voilà, très très beau tableau de Malardeau. Voici donc le Christ en croix avec la Vierge Marie qui est soutenue par Saint Jean et les apôtres et les saintes femmes qui sont au pied de la croix. Voilà, également tableau de Malardeau.
Vous avez donc eu un aperçu de toutes ces merveilles, de ces peintures. Et donc, je vous invite, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à venir donc à nos visites commentées du deuxième dimanche de chaque mois à 14h30. Autrement, nous vous faisons nos visites sur demande. Il suffit de téléphoner. Et puis, l'église, il faut savoir que l'église est ouverte tous les jours de l'année de 10h à 18h. Donc, à très bientôt.